Mon général, le détachement d'honneur de la 34e région militaire et de la police nationale du Nord Kivu sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie de restitution sur éthique et déontologie des militaires des FARDC. Je vous invite à passer le détachement en revue le commandant détachement, le colonel Moutetela Kapaya Kirmen. Monsieur le commandant du 33e groupement naval, amiral, monsieur le premier président des cours militaires et monsieur l'auditeur supérieur militaire du Nord Kivu, messieurs les officiers supérieurs et subalternes, à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, distingués invités, à l'occasion de cette journée de restitution du séminaire sur l'éthique et la déontologie au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, tenu à Kinshasa en date du 12 au 14 mai 2022, j'ai l'honneur de vous saluer et de vous remercier d'avoir répondu promptement à mon invitation de ce jour. En effet, nous avons eu l'honneur de représenter l'ensemble des forces de défense et de sécurité déployées dans la province du Nord Kivu aux travaux du séminaire sur l'éthique et la déontologie organisé par le ministre de la Défense nationale
et anciens combattants, sous le haut patronage de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise. Ce séminaire de 3 jours, axé sur le thème principal, éthique et déontologie au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, ouvert le jeudi 12 mai par le chef de l'État dans l'amphithéâtre du groupement des écoles supérieures militaires à Binza-Ozone, a été clôturé le samedi 14 mai 2022 au cours du repas de corps organisé à la Cité de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, distingués invités, point de besoin de rappeler qu'il s'est installé en République démocratique du Congo une culture d'antivaleur, principalement dans les chefs des gestionnaires publics. Cette culture d'immoralité publique constitue pour tout observateur averti un des facteurs principaux du retard de développement socio-économique de notre pays, malgré ses immenses potentialités. Les forces armées de la République démocratique du Congo, frange importante de la société congolaise, n'ont pas été épargnées de cette gangrène, avec comme conséquence logique des contre-performances opérationnelles face à la gestion de la crise de sécurité persistante dans la partie est de la République, en particulier et en général, le dysfonctionnement de notre armée. C'est ainsi, en date du 21 juin 2021 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, avait tiré la sonnette d'alarme et condamné certaines dérives qui se sont installées au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et des services de sécurité. C'est pourquoi, pour lutter contre ces fléaux, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a organisé ces séminaires, ateliers, dans lesquels plusieurs recommandations ont été formulées afin d'indiquer des pistes claires et sorties de cette longue crise d'éthique dans la gestion des ressources humaines, financières et logistiques des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces pistes de solutions devront sans tarder constituer un code de bonne conduite dont tout élément des forces armées de la République démocratique du Congo devra en faire un vade mecum dès son entrée à l'armée et jusqu'à la retraite. Mesdames et messieurs, distingués invités, de manière claire, les points abordés au cours de ce séminaire sont les suivants. Rappeler les notions fondamentales d'éthique et de déontologie dans les commandements et l'exécution des tâches militaires en particulier. Décrire les traits et les caractéristiques d'un leadership porteur de valeurs éthiques, modèle. Rappeler la déontologie militaire dans la gestion des ressources humaines, matérielles et financières. Décrire les divers comportements et actes qui violent les principes éthiques et déontologiques. Rappeler aux participants l'éthique militaire et les règles de conduite vis-à-vis de la population et des institutions
de la République. Définir les pistes de rétablissement de l'éthique dans la gestion pour une opérationnalité accrue et améliorée des forces armées de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, au terme du séminaire, les participants devraient être capables de 1. Comprendre et intérioriser les notions fondamentales d'éthique et de déontologie en société et dans l'armée. 2. Influencer et transformer positivement par leurs valeurs éthiques, leurs subordonnés et leur environnement. S'approprier les principes éthiques et les règles déontologiques d'une gestion responsable des ressources humaines, matérielles et financières de l'armée. Comprendre les divers comportements et actes qui violent les principes d'éthique et déontologiques. Réintégrer dans leur comportement les règles de conduite vis-à-vis de la population et des institutions de la République. Comprendre, suivre et opérationnaliser les pistes de rétablissement de l'éthique et de la déontologie dans la gestion de l'armée. Ainsi, pour terminer mon propos, je recommande l'appropriation des recommandations de ce séminaire atelier à chaque officier, chaque commandant d'unité et à tous les niveaux. Sans tarder, j'invite le général Ekenge à nous faire l'économie de l'atelier. Je vous remercie. Merci beaucoup, son excellence. Pour assister à un séminaire organisé par le ministre de la Défense nationale et aux anciens combattants, sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées. Dans ce séminaire, il s'agissait de réfléchir sur l'éthique et la déontologie au sein des forces armées de la République du Congo. Et lors du passage du chef de l'État, ici en nom des provinces, et pendant son séjour à Ituri, il a dû épingler ces quelques défaillances en matière d'éthique et d'odontologie. Et il a fait des remarques à nous qui sommes des responsables militaires, raison pour laquelle le ministre de la Défense, qui est en charge de la politique de notre armée, en a profité pour sensibiliser les forces armées à garder l'éthique et la déontologie au sein de nos forces armées. L'éthique, c'est le comportement individuel de chaque responsable, de chaque militaire, à tout moment et à toutes circonstances. Et la déontologie, c'est l'ensemble des procédés, de lois, de règlements, pour que cela nous guide dans l'application, dans la gestion au quotidien de nos ressources, les ressources humaines, les ressources matérielles et aussi financières. C'est dont nous devons tous nous atteler pour appliquer à la lettre. Parce que à l'issue de ce séminaire, nous avons aussi renouvelé notre loyauté, notre serment à la nation et au et à son président, ou à notre commandant. Et lui aussi, il a renouvelé sa confiance en nous. Donc cela veut dire que c'est lui qui ira à l'encontre de l'éthique et des déontologies
ou soit il le fait mieux, il sera sanctionné positivement ou sanctionné négativement. Alors, à notre retour, ici en province, en notre qualité aussi de commandant des opérations, nous devons faire la restitution de tout ce que nous avons appris là-bas et aux unités pour qu'à leur tour, s'ils font cette vulgarisation au niveau de toutes les unités à travers notre province. Excellence, êtes-vous satisfait de la restitution ? De la restitution à tout instant, oui, à l'instant même, je suis satisfait parce qu'il a eu interaction entre nous et les officiers dans la salle, et j'ai senti en eux qu'ils sont vraiment très intéressés à la matière, ils sont très préoccupés. Nous allons aussi faire un rapport parce que dans nos recommandations, nous irons même jusqu'au niveau des états généraux de l'armée. Monsieur le gouverneur, vous parlez de l'éthique et la déontologie, alors que c'est connu de tout le monde que l'armée congolaise est hybride. Il y a des officiers qui sont venus des groupes armés et qui sont venus des différentes rébellions et qui sont dans l'armée. Et parfois, ce sont ceux-là qui sont accusés de trahison de l'armée congolaise. Est-ce que vous n'avez pas évoqué cette question avec le commandant suprême ? Non, tout cela a été évoqué sans tabou. Hein. Nous en avons parlé. Et de l'éthique, ici, un officier qui fait défection. Mais vous voyez, il ne respectait pas l'éthique et aussi la déontologie. C'est une trahison, haute trahison, je peux même le dire, et il sera sanctionné comme il se doit. Mais aux autres, oui, nous sortons d'une situation difficile que vous connaissez. D'après les guerres qui se sont succédées ici, et nous avons dans nos forces armées et toutes ces catégories du personnel. Donc il est à notre niveau maintenant de les former, de les fomenter. Raison pour laquelle les écoles commencent à s'ouvrir. Nous avons une école où tous ces commandants, ceux qui ne sont pas sortis des écoles, doivent y aller, apprendre le commandement pour que tout le monde parle le même langage. Et qu'ils le mettent au travail au même diapason que les autres qui ont appris sur le banc de l'école. Et ainsi, il se fera une carrière définitivement pour sa vie dans l'armée. Mon général, un officier qui s'adonne aux affaires au lieu d'accomplir leur mission telle que recommandée par la Constitution. Normalement, les officiers dans une fonction, que ce soit de l'armée ou de fonction publique, ne pouvaient pas rester plus de 3 ans dans la même fonction. Mais nous les connaissons, puis avec les difficultés qui sont les nôtres, nous avons ces cas. On a beaucoup parlé de cela et ça va aussi de l'intérêt de ces officiers et des unités aussi. Nous pouvons parler seulement des officiers, mais les unités, vous voyez, une unité qui reste au front pendant 5, 10 ans. Mais il devient malade aussi. Et c'est pourquoi il a nécessité de procéder toujours à des relèves. Et les relèves, il nous faut aussi des effectifs. Les effectifs, il faut des recrutements. Raison pour laquelle nous vous demandons aussi, notre population, quand il y a le recrutement, amenez-nous les jeunes gens, les jeunes filles. Aujourd'hui, je suis très content d'apprendre qu'on a commencé par des jeunes filles qui sont très nombreuses maintenant, qui doivent remplir les centres d'instruction. Mêmement, quand les recrutements des jeunes vont commencer, ces recrutements, il nous faut envoyer nos fils, vos fils, dignes de faire le service militaire, qui est le service noble. Au lieu de nous envoyer des chéguets, des rébus de la société, des choses comme ça, vous voyez, ce qui pose problème dans le comportement d'éthique maintenant des militaires. Ça commence par le recrutement, la formation, les écoles, le matériel, c'est-à-dire équipement, le cantonnement. Tout cela réunit
nous serons une armée forte et nous monterons en puissance. Merci. Merci.